C'est avec l'hymne national de Salinien, non, cérémonie remise bourse d'études pour une cinquantaine de boursiers qui sorti dans diverses régions dans le pays a été déroulé dans le bureau central Association Femmes Corifemmes dans Juvena Pétionville en présence plusieurs membres à FKF, PDG Fleur de Lisla, ancien parlementaire 49e législature, député Keskofla, André Gustave Louis, représentant Université Polyvalente d'Haïti, pour ne citer ça ou seulement, une initiative Association Femmes Corifemmes en tête collée, avec président directrice générale Fleur de Lisla, prend pour offrir sans bourse d'études dans l'Université Polyvalente d'Haïti chaque année, by jeune fille et jeune garçon. Après fin études classiques, yo Marie-Flor François, c'est coordonnatrice générale à FKF, dit association en satisfait ak programme ça qui déjà bail une promotion en deuxième année université côté yo recevoir 50 bourses d'études pour année 2018 là dans différentes disciplines pour jeunes yo. 10 ans depuis que nous en partenariat na travail avec Madame Chouaïna Policor et UPH Université. Jusqu'à date, nous n'avons pas déçu d'étudiants parce que tout a toujours été dans le courant, comme on a constaté, et que Anissa encore là, pendant que nous avons fait remise ça, nous avons quelques étudiants qui sont de Kesfof, qui viennent pour nous soutenir nous et qui toujours le contenu qui est dans la deuxième année. Anissa encore, nous avons payé 50 bourses. Que nous gagnons agronomie, nous gagnons sciences comptables, nous gagnons génie civil et tant d'autres disciplines encore. Ingénieur en développement, Chouaïna Depolicar, en même temps président directrice générale Fleur de Lisla, pour conseil li by bénéficiaire 50 bourses d'étudiants pour respecter 4 années d'études là. Pendant le fait qu'on ait une bourse d'étudiants pas complète, il y a quelques conditions pour boursier remplies pour intégrer l'université. Il y a 13 ans de cela, on est en partenariat avec l'Université Polyvalente d'Haïti, que chaque année, on a 100 bourses pour Port-au-Prince, au Caire, au Cap et le plateau central. Moi-même, moi, j'ai un seul mot d'ordre. Respecter la bourse d'études, là, c'est-à-dire que apprendre avec cœur, faire fierté nous, et puis après, utile pays. Bourse là, ce n'est pas une bourse totalement complète. Il y a seulement à bien pour payer 20 000 gourdes à 4 reprises. Chaque session, il y a 4 sessions. Chaque session, il y a 5 000 gourdes. Et il y a une bourse là pendant 4 ans. Ceci, il n'y a pas en pile discipline. Il n'y a pas fait 70%. Et puis, il y a 3 retards. Mais à part de ça, il y a une bourse là pour 4 ans. Quelques bénéficiaires bourse d'études dans l'Université Polyvalente d'Haïti exprimer satisfaction yo et puis remercier chaque acteur qui permet yo bénéficier 4 années études université ça qui pral permet yo travail dans intérêt pays d'Haïti après études yo. Je me sens très content pour envers fondation Femmes Corifemmes parce que c'est grâce à eux aujourd'hui à nous qu'a bénéficié pour ça. Je me sens très content et je remercie l'association AFKF pour le stade qui me recevoir la même. Et qui discipline sciences agronomiques. C'était pour nous une initiative énorme pour nous être capables parmi bénéficiaires bourses que l'association ça a offert à nous. C'est en génie civil, moi pour aller en deuxième année dans la faculté UPH. Moi j'ai étudié philosophie dans le collège Fleur Louis de Kinskop. C'est moi dis déjà merci avec madame Polika et madame Sabine Martelly qui te permettent que nous qu'on nous fini nous te rentrer dans une université qui c'est Université Polyvalente d'Haïti moi dans sciences comptables moi dans deuxième année pas gain aucun redevance comme bénéfice après études boursier yo ak association Femmes Corifemmes selon coordonnatrice générale là qui fait connait association an qui gen en tête li madame Sabine Martelly mission ak équipe li c'est pote support yo nan cadre santé l'éducation relation moun ak moun et la trier bay sila ki pi vulnérable yo.